Là, il faut faire attention, on est sur une portion de reclin. Après le virage, là, on arrive à la barrière, là, et là, voilà. On va rentrer dans des pourcentages un peu plus élevés quand même. On va profiter de s'arrêter, là, il y a un super point de vue. Voilà, devant, le mont du Vaucluse. Derrière, la partie Luberon, et au loin, là, les Alpilles. Le chant des cigales va m'accompagner, vous l'avez compris, puisque cette semaine, je vous emmène en Provence, alors du sommet du Ventoux, si j'y arrive, jusqu'à la Camargue. Voilà, je vous propose un voyage à travers les Alpilles, le Luberon et toute cette belle région. Je vous propose aussi un voyage qui va être sous le signe des festivités, puisqu'on va célébrer ensemble eh bien, toutes les belles traditions provençales à travers cette belle région. Et surtout, les maîtres mots seront convivialité et plaisir. Voilà, soyez les bienvenus dans mes échappées belles. Plaisir après l'effort, peut-être. Allez, on y va. Après mes efforts à vélo, c'est avec un vrai plaisir que je vais me laisser emporter par l'esprit de fête qui caractérise si bien le Sud. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est la capitale du gitan. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, Sainte-Sara descendra dans la rue. La première fois que tu as porté Sainte-Sara, tu te souviens? C'est énorme. Ça te prend à l'intérieur, tu l'oublies jamais. Saint-Rémy sera envahi par les moutons? Ben oui. Ça attire autant de monde que le Tour de France. Là, si tu tombes, oui. Tu te relèves pas, elle t'écrase. Et Nîmes va vibrer à l'heure de sa férille. Et pendant ce temps-là... Avant, je pense, la Provence est un village, mais maintenant je sais, la Provence, c'est une grande région. Les touristes chinois découvrent le sud de la France. D'après nous, la lavande, c'est un symbole d'amour. Et les Romains deviennent vraiment fous. 1, 2, 3, 4... Mais bien sûr, quand il le faudra, je saurai me remonter les manches pour donner un coup de main. Je peux pas la mettre, hein. T'as pas encore fini ton saut? Et non, mon voyage ne fait que commencer. Ah, ça y est. On voit l'observatoire. Ouais. Ça commence à devenir bon. Attention, hein. L'observatoire, il est gros, mais il est pas là à côté, hein. Avec Jean-Christophe, vous faites souvent l'ascension, là, du Ventoux? On essaye de la faire une fois par an, que ce soit du côté de Bédouin. D'accord. Ou alors par Malocène également. Par notre col. Et toi, Eric? Ouais, entre 5 et 10 fois par an, à peu près, en fonction des années. D'accord. Hein? Voilà. C'est ton terrain de jeu? Terrain de jeu, ouais, bon. Toujours difficile, hein. Comme je dis, on joue pas forcément quand on fait l'ascension du Ventoux. Ouais. Mais bon, voilà, c'est sympa, ça permet de se jauger. Attention, une attaque! Vite! Attaque de Florence! Ne laisse pas faire, Jean-Christophe! Allez, allez, Jérôme! Salut, t'étais la roue! À la roue! Allez, allez, allez! Allez, Jérôme! C'est les pentes les plus dures, là, hein! Allez! Ce qu'il y a de bien, c'est que tu fasses ça pour le chrono, ou que tu fasses ça comme moi, en amateur. Il y a une notion de défi de toute façon. Oui. Chacun à son échelle, on est là pour se surpasser. Oh là, c'est dur là. Oh la vache. Ah. Allez. Oula. Allez, Jérôme, 100 mètres, allez, allez, allez. On s'accroche là. Allez. Allez, Flo. Allez, un mirage là, hein. Allez, debout sur les pédales, allez, allez. Là, 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 c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Là, 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 là. Allez. Allez. Allez, Jérôme. Allez, Flo. Ah, yes. Bravo. Champion. Merci pour les encouragements. Fallait le faire. Hein. Merci à toi. Hein. Super, super. Belle ascension. Voilà, avec un peu de monde. Hein. Ouais, du monde, ouais. Ouais, surtout ouais. Là, l'arrivée, là, on se rend compte du succès. C'est génial. De ce col. Ah, ça monte là. Ça, c'est fait, comme dirait l'autre. Ouais, non, non, mais la dernière épingle. Là, là. Elle est costaud, hein. Ah, ça tire. Elle est costaud. C'est sérieux, là. C'est violent, c'est violent. Là, c'est sérieux. On va se faire, si tu veux, une petite photo là. Là, il y a le panneau. Ah oui, photo souvenir. Oui, du Ventoux. Alors, une belle photo, hein. 3.
Ah, ce panorama, il est juste incroyable. Hein. Alors là, on est vu côté nord du Mont Ventoux, là, avec la chaîne des Alpes. Voilà. Qu'est-ce qui représente ce Mont Ventoux pour les gens de la région? C'est de la rudesse, quoi. Hein, les gens qui habitent autour et au pied du Mont Ventoux, voilà, c'est des gens rudes. Voilà. C'est le climat qui veut un peu ça. Hein, Bon, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? On va manger un morceau, on descend? On entame très, la descente? Très belle idée. C'est parti. Et on se couvre. Allez, faut bien se couvrir. D'autres sensations plus fortes. Alors, la descente. On descend là. Il y a des portions avec des bonnes lignes droites. Je pense qu'on ne doit pas être très, très loin des 5 km. Voilà. Et voilà, le petit cochon de lait à la broche. Et les assiettes. Ça sent bon, rien qu'ici. Waouh, c'est magnifique. Avec des bons petits légumes. C'est magnifique. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Ça a l'air merveilleux, ça. À cette belle journée, au Ventoux, le Mont Chauve, comme on dit. Le Mont Chauve, ouais. Voilà. Voilà. Et avec un petit coup de vent pour nous rafraîchir, ça nous fait très plaisir d'être là. Il balaie les nuages et dessine les paysages. Le Mistral est le grand seigneur de la Provence. Il souffle jusqu'en Méditerranée, offrant à la région un beau ciel bleu une grande partie de l'année. Et ce matin, les planeurs déploient leurs ailes pour le rencontrer. C'est tout bon. Impeccable. Rémi est réunionnais. Poussé par les vents, il s'est installé ici. Dès que j'entends le vent, ça me donne envie de voler, ça me donne des ailes, quoi. Je veux dire, d'aller voir, de pouvoir nous permettre de monter haut. Le Mistral nous permet de monter haut et de voir la planète vue d'en haut. On peut s'approcher des 6000 mètres sans aucun souci. Le Mistral naît entre les Alpes et le Massif central, lorsque l'anticyclone de l'Atlantique rencontre une dépression. Le vent tourne à... comment dire, avec l'anticyclone dans le sens horaire et la dépression qui est du côté d'Italie dans le sens anti-horaire. Et ça nous fait ce Mistral. Mais bordage à sans chaud. Donc le Mont Ventoux, il est devant nous. Le vent étant très fort à cette altitude, ça érode complètement le sommet de la crête. Au sommet, il peut dépasser les 300 km par heure. Il porte bien son nom, le Mistral. En provençal, c'est le Mistro, le maître. Dans ses accès de colère, il frappe le Ventoux avant d'épouser les reliefs des Alpilles. Une terre aride, plantée de pins, que le Mistral peut embraser comme un feu de paille sous le soleil de l'été. La patrouille bénévole de la prévention des feux de forêt veille. Le Mistral est le meilleur et le pire. Pourquoi? D'une part, il chasse les nuages, donc le ciel bleu de Provence est toujours là. Mais par contre, le Mistral souffle 3 jours. S'il souffle au bout du 3e jour, la plupart du temps, ça passe à 6 jours. S'il souffle encore au bout de 6 jours, ça passe à 9 jours. Il est évident que ça étourdit. Aussi béni que maudit, les pins se courbent sous son courroux. Et au ras du sol, seuls les graminées, l'ail, le thym et le romarin survivent à ces bourrasques. Un Mistral, il peut avoir 3 jours de vent et plus rien, il peut, etc. C'est un vent capricieux et volage. Et il accélère dans la vallée du Rhône. Ça fait un effet Venturi, il accélère. Et après, il suit les reliefs, il va buter, etc. Et ça fait un vent tourbillonnant, c'est pas un vent établi, c'est pas les alizés. Le Mistral, c'est pas les alizés.
la patrouille regagne Barbantane. Comme dans les villages provençaux, ici, le clocher ne s'élève pas dans les airs. Le Mistral y est bien trop furibond. La cloche est sous le campanile en fer forgé, sans prise au vent. Aujourd'hui, pour la fête à Barbantane, le Mistral s'est calmé. Les bénévoles de la patrouille ont quitté l'uniforme. Lynn a revêtu sa tenue d'arlésienne. Ça arrache la queue aux ânes et ça décorne les bœufs. Ça décorne les bœufs. Ça décorne que les bœufs. Hein. Que les bœufs. Ah, le Mistral, on ne parle pas du Mistral. Le Mistral, vous savez, c'est quelque chose de formidable. Vous avez de la chance qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Des fois, ça nous donne l'impression qu'on s'emporte dans le vent. Comme si on était dans une balançoire et qu'on n'avait même pas besoin de se balancer, que lui, le vent, il nous poussait. Le Mistral, ici, vous ne pourriez pas tenir, là. Les choses sont toujours un peu caricaturales, mais il est vrai que le Mistral trempe le Provençal, c'est-à-dire de caractère, de passion, de vivacité. Et je crois que c'est vrai, dans ce coin de France, on n'est pas du tout endormi. Frédéric Mistral, le poète provençal, écrivait « Quand le bon Dieu en vient à douter du monde, il se rappelle qu'il a créé la Provence. » Aspiré vers la Méditerranée, le Mistral souffle à présent sur les sables camarguais. Mistral ou pas Mistral ? Ouais, ça monte. Ça frémit, ouais, là-haut, là, ça bouge un petit peu. Ouais. Eux aussi attendent le vent. Sur les dunes, ils aiment s'envoler en char à cerf-volant. Le Mistral s'est finalement levé. Il faut gagner la mer face au vent. Pour sentir le vent, dans quelle direction il vient, comment il se lève, on se met les bras écartés, on écoute. Si on l'entend trop, c'est qu'on est trop tourné. Dès qu'on l'entend moins, des deux côtés. Et on doit avoir exactement le même son de chaque côté. Et là, on sent le vent. Et la girouette, hein. On va se régaler. On a mis le doigt dedans, on est complètement fada, on n'a plus envie de s'arrêter. C'est ici que les vents soufflent le plus en Europe, dans le golfe du Lion. Alors le Mistral, quand il arrive sur la Méditerranée, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de relief. Et là, il peut s'exprimer pleinement et il se lâche complètement et rien ne l'arrête. C'est pour ça que dès qu'on est en mer, on a beaucoup plus de vent que sur la côte. Libéré, le Mistral souffle jusqu'aux Baléares, avec le midi sous ses ailes. On dit de la Méditerranée qu'elle est enchanteresse, car le Mistral, sur son passage, glane tous les accents du sud. Jusque dans les derniers mètres, c'est dur. Salut. Ouh. Salut. La côte est dure. Je commence à accumuler. Je suis couleur cerise dans un peu. T'en es pas loin, ouais. Ça va, Alain? Très bien, et toi, Jean? Ça va très bien. En forme? Salut aussi. Salut. Je vois que tu... En forme, oui. Ah, mais c'est trop. Tu as peiné, oui, ouais, le sud, c'est trop. Qu'est-ce que c'est beau. Ça se mérite, mais c'est beau. Hein. Ah, on a un super petit village. Un Vénasque, ah, c'est sur la pointe d'un rocher, là, c'est magnifique. C'est, et regarde avec la vue qu'on a sur le Ventoux. Ah, c'est le Ventoux. C'est magnifique, hein. Ouais, on a tout. Le Ventoux. C'est un bon souvenir, mais un difficile souvenir. On va le laisser où c'est il est. C'est moins dur, oui.
Bon, alors ce sont les premières cerises. Eh bien voilà, les premières cerises, tu vois. Génial, elles sont belles. Regarde ça. Donc ça, c'est la fameuse cerise de Vénasque. La cerise de Vénasque, ouais. J'en goûte une, hein. Ah, vas-y, vas-y. Mmh. Regarde. Ça fait 3-4 jours qu'on a commencé, donc c'est vraiment le début. Bah, super. Tu as le nectar de cerise, la compotée, la confiture. Voilà. Alors demain, on a du boulot pour l'accueil. Ah, demain, ouais. Voilà. Ça va y aller. Je vais te montrer où c'est que tu vas loger. Donc tu vas être en logement avec des Espagnols. En très bien, je parle espagnol. Donc il va être super, tu vas pouvoir t'entendre très bien avec eux. Alors pourquoi des Espagnols? Il y a déjà une quarantaine d'années, mon grand-père qui récoltait les cerises avait besoin de personnel et en France, bon, le chômage n'était pas aussi important que maintenant. D'accord. Donc il faisait venir la main-d'œuvre étrangère. Voilà. 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 Vous avez cousine, beau-frère, gendre, c'est tout. Tout le même groupe. Il y en a une autre partie en haut, puisqu'il y a okay. deux étages. Ok, d'accord. Et vous venez d'où ? On vient de la ville de Jaén, en Andalousie. Oh. C'est loin tout ça ? Oui. Oui, ça fait 1400 km en voiture. Ah bah dites-moi. Bon, je ronfle pas, donc vous dormirez bien, je serai dans une chambre à côté, vous inquiétez pas. Ah non, pas de problème. Ça marche, par contre, mon mari ronfle, lui. Bon, je vais m'installer. Ça va, Yana ? Bonjour, je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Oui, ça va. Voilà, donc ici, on est dans le champ. Tu vois, ça veut dire, avec la vue sur le village, c'est impeccable. C'est formidable. C'est plus qu'impeccable, c'est sublime. Donc voilà, tu vois les cerises. Encore que là, maintenant, ça commence à bien mûrir, tu vois. Ouais. Elles sont belles. Hein. T'as vu ça ? Surtout, c'est qu'il ne faut pas ramasser ça. Sinon, tu vas te faire gronder. Il y a un truc aussi, ouais. Pour te faire gronder si tu ramasses mal. Tu vois le numéro 14. Tu vois le numéro 14 ? Dans chaque saut, tu mets un ticket dedans. D'accord, et c'est là que tu contrôles la qualité de mon travail. Voilà, je suis obligé de contrôler la qualité de travail. Oh, voilà, j'espère que j'aurai une bonne note. Pour éviter d'engueuler tout le monde, on contrôle chaque personne. C'est quoi le pourcentage de cerises qu'on a le droit de manger par rapport à celle qu'on cueille ? C'est l'estomac qui va te le dire. Ah bon, ça va, il n'y a pas de restriction alors. Super, ça m'arrange. Ah, quel dommage, elle est abîmée. Je peux pas la mettre, hein. Adina, il en mange une sur deux. Il n'y en aura pas beaucoup dans le seau. Il n'aime pas longtemps, tu vois, il va s'arrêter parce qu'il va avoir mal. Hein. T'as pas encore fini ton seau ? Pardon ? Tu n'as pas encore fini ton seau ? Ah, c'est mon cinquième déjà. Ah oui. Ça demande quand même une vraie délicatesse parce que comme tu... Hein. J'ai envie que mon patron soit content de moi, tu comprends, c'est normal, consciencieux. C'est normal. T'as commencé à quel âge à accueillir les cerises avec ton papa? Moi j'ai arrêté l'école à 14 ans. T'as arrêté l'école, non. Je suis parti en centre de formation à 14 ans. Donc j'avais une semaine de cours ouais. et 3 semaines sur l'exploitation et mon père. L'école n'était pas faite pour moi. Non. Donc c'est vraiment... Après tu apprends petit à petit. J'en apprends encore avec mon père. Ouais. Il a 74 ans, donc il me donne toujours des techniques. Hein. Mmh. La région ici, là, cette région du Luberon autour, c'est vraiment le verger de la France. Le Vaucluse produit un tiers de la consommation française. Oui. On a 17 500 tonnes de cerises récoltées dans le Vaucluse. Donc c'est un tiers de ce qui est consommé sur France. Mmh. Voilà. Puis grandir dans un environnement comme celui-ci, tu lèves la tête et tu as envie de... Tout prendre en photo, tu sais. Ah bah tu es dans la nature, hein, tout le temps. Dès que tu sors du village, tu as fait 20 mètres, tu es dans la nature. Beaucoup de personnes viennent se promener. On a plusieurs sentiers de promenade, on a plusieurs choses qui attirent le monde. Tu veux le numéro dedans ? Ça va, attends. Je pensais que c'était plus mauvais que ça, tu vois. Pour un novice, tu as fait
Alors, fait pas mal. Explique-moi, c'est ta table de tri, ça. Ah, tu vois, ça, c'est la table de tri. En fait, on trie, on calibre. Après, on a des petites calibrettes à côté pour confirmer, tu vois. Tous ceux qui sont non conformes, je les mets dans le seau et je m'en sers un peu pour les confitures. Et après, tu vois. Voilà. Eh bien, il est pas trop mal, ce seau. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va ? Ça, c'est. Alors, quelle note vous mettez, voir. Pour un début, je te mets 8 sur 10. Ah ouais, carrément. J'ai jamais eu d'aussi bonne note. Moi non plus. Voilà. Tunnel. Magnifique. Magnifique. Ouais. Il est beau ce village. Il est classé. Il est classé dans les débuts des plus beaux villages de France. Bah, la région, on est riche. Hein. Il y a Roussillon, je crois qu'il y en a 5-6, ouais, Gordes, Minerbe. Il y a un patrimoine aussi bâti, et des bâtiments qui datent de différentes époques, presque même sans doute de l'époque romaine. Certains, ben, ouais. Je pense que s'ils creusaient, ils trouveraient des choses de l'époque romaine. Ouais. Bon. Ben, c'est super. Ah, bah, écoute, moi, je vais reprendre mon vélo. Je vais à Châteauneuf. D'accord. Une petite trotte, mais je peux prendre mon temps. C'est différent, ce n'est pas le même jus. Non. La même couleur, mais pas le même jus. Pas le même jus, c'est vrai. Ah. Encore du fruit, toujours du fruit. Toujours du fruit, oui. Entre le pont du Gard et Arles, la Narbonnaise est la province la plus romanisée de la Gaule conquise. L'amphithéâtre d'Arles est l'un des plus grands que l'Empire romain ait construit. Sur les gradins, 20 000 Romains pouvaient se rassembler. Ils s'installaient selon leur rang dans la société. Dans ce temple des jeux, le spectacle peut commencer. Les gladiateurs s'entraînent. Mais ce sont des gladiateurs en basket. Ils participent à un stage de gladiature. Ce sport est un rite grec récupéré par les Romains au 3e siècle avant notre ère. La gladiature, c'est vraiment un sport qui était un sport spectacle. Le but n'était pas de tuer l'autre, puisque de toute façon, on n'avait pas le droit de tuer son adversaire, sauf si c'était demandé, puisqu'à partir du moment où on tuait son adversaire sans avoir eu l'autorisation de le faire, on était considéré comme un assassin et on était soi-même exécuté. L'image qu'on peut en avoir de deux grosses brutes qui vont se taper dessus, c'est très limité en fait comme vision. Les gladiateurs n'étaient donc pas des brutes sanguinaires. Et il y avait même des femmes parmi eux. Je mets mon appui ici, d'accord ? Et je vais envoyer le humbo vers son visage, là, d'accord ? Avec précision, tel un archéologue, Brice recherche et restaure les gestes des gladiateurs. Cette pratique, elle ne se fait qu'avec des recherches. C'est-à-dire que tout ce qu'on montre est issu de recherches expérimentales qui s'appuient sur les documents archéologiques, les mosaïques, les fresques, les lampes à huile, les bijoux. Tout ça, ça fournit l'information, la matière pour retrouver les gestes. Les artistes qui les ont représentés sont comme des photoreporters de leur époque. Ils représentent sur les objets ce qu'ils voient dans les amphithéâtres. Ni prisonniers, ni condamnés. Les gladiateurs étaient des sportifs de haut niveau. Ils choisissaient de s'entraîner dans une école de gladiature. Et certains gagnaient très bien leur vie. Il y avait même parmi eux des stars. Eros le sexy, Anthrax le poison. Là, tu pointes dessous, c'est là qu'il doit être, à mon avis. Le casque à crête, c'est 6 kilos sur la tête. Le côté obscur de la force derrière les œillères. Les compétitions. Voilà les filles, allez, persévérance, continuez, ça touche, allez, c'est pas grave. Voilà. Allez, respect, bravo les filles, merci beaucoup. Allez. Ah, franchement, c'était top ton combat. Ah bon ? Pour un premier, chapeau. On a l'impression d'être une machine de guerre et vas-y, va te combattre et
Et peut-être que tu vas t'en sortir ou pas, on sait pas en fait. C'est l'impression que j'ai eue moi. Saluez-vous. Pour les gladiateurs, les Romains ont construit des amphithéâtres dans tout l'Empire, sur toutes les terres qu'ils ont conquises. En gros, tu t'assois dans les gradins de l'amphithéâtre, tu vas voir des jeux de gladiateurs, donc tu appartiens au monde romain. Et les Romains font passer un message unificateur à des gens de différentes cultures, de différentes couleurs de peau, de différentes langues. Mais tous doivent avoir le sentiment d'appartenance au monde romain. C'est bon ? C'est bon. Sous son casque, Alain est archéologue. Il est venu à la gladiature pour la recherche historique. C'est une salle de spectacle, il faut du beau jeu, il faut du beau spectacle. De ce qu'on peut voir, nous, quand on pratique, c'est pas les mêmes enjeux. Mais on sent bien, de temps en temps, on va être dans son combat, on va avoir une phase tactique où, je sais pas, on va faire une attaque qui a bien marché, on va sentir le public vibrer, on va surenchérir, on va enchaîner, ça se fait, j'allais dire, un peu inconsciemment. Les gens répondent, ah, je vais continuer comme ça, alors ça leur plaît. Alors, est-ce que les Romains faisaient pareil ? On ne sait pas. Ça a l'air assez logique. Voilà. Parce que, encore une fois, il faut provoquer des émotions. Il faut que les 20 000 personnes ici, le soir, partent en ayant un sourire. En Arles, à Rélate pour les Romains, Jules César a installé ses légions au 1er siècle avant notre ère. Victorieux, il n'avait plus de bataille à livrer. Il a démobilisé ses vétérans ici. Le Rhône permettant de commercer avec l'Europe, la ville s'est embellie. Alain a troqué les armes du gladiateur pour les outils de fouille. Avec plusieurs archéologues, ils explorent une villa romaine. Arélate était l'une des villes les plus riches de Gaule. Elle va changer de destin avec le passage de Jules César dans le secteur, qui va en faire une colonie de droit romain, c'est-à-dire qu'il va lui donner un statut juridique qui est supérieur. Par exemple, la ville va avoir des exemptions d'impôts spécifiques et tous les citoyens libres d'Arles deviennent citoyens de Rome. Donc les Arlésiens sont également romains. Ce statut d'exception récompense Arles. La cité a soutenu César dans sa lutte contre Pompée, son rival qui voulait dominer la République romaine. Marseille avait choisi le camp de Pompée, Arles le camp de César. Donc forcément, il a puni Marseille, récompensé Arles, lui a donné statut juridique, lui a donné tous les territoires de Marseille également. C'est ce qui fait que Arles était une cité très vaste, elle s'étendait jusqu'aux portes de la ville de Fréjus, et c'est ce qui fait d'ailleurs que de nos jours, Arles est la plus grande commune de France. C'est un héritage direct de Jules César. Ici, les archéologues ont déterré un trésor contemporain de Jules César. Des fresques dans un état de conservation exceptionnel. Une découverte rare dans le monde romain. Bonjour Daniel. Ah bonjour Jérôme, comment ça va? Super bien. Tu veux poser ton vélo ouais, peut-être là et puis... Là. Attends, je vais fermer le portail parce que
C'est pour ça qu'on a, on a très beau temps, parce que ça chasse les nuages, tu vois. C'est super. Hein, tu sais, ici, le vent, on l'adore hein, quand même. Hein, c'est un peu ennuyeux pour les touristes, mais le Mistral, c'est l'ami des vignerons. Alors, viens, Jérôme, je vais te montrer ta chambre. Ah bah ouais, merci beaucoup. Écoute, elle est bien agréable, cette maison. J'ai laissé un peu dans son jus. Alors, je te montre déjà, tu vois, tu appuieras sur les boutons d'en haut pour avoir la lumière ici, pas celui du bas. Et là, tu vois, c'est les tuiles que j'ai en partie conservées. Parce que quand j'ai acheté cette maison, c'était une ruine. Mmh. Et je vois donc que tu as des objets que tu as chinés à l'étranger, non ? Eh bien, tu sais que j'enseigne depuis 20 ans, là, pour former un peu tous les sommeliers. Oui. Donc j'ai ramené des souvenirs, des choses comme ça, de voyages. Et pas que du pour vin. Pour partager, pas que du vin. Puis moi, j'aime beaucoup la peinture, ma fille, elle peint, donc je lui fais... Alors voilà ta chambre. Alors ça, c'est la chambre Mireille, hein. C'est bien ça ce que tu avais raison. Mireille, hein. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un côté très provençal, tu vois. Et tu seras bien parce que tu es sur le jardin, c'est très calme. Ici, il n'y a pas de voisins. Je te laisse t'installer et à tout à l'heure. Hein. Merci. Voilà. À tout de suite, Daniel. À bientôt. Daniel ? Oui ? Ah, t'es en bas. Oui. T'es où ? Oui, Jérôme, je suis à la cave. Ah, oui, bah évidemment. Viens, viens. Tiens, viens voir. Ah ouais, c'est un bel endroit, hein. Ah bah ça, c'est mon petit trésor, tu vois, ça, voilà. Dis-moi, moi, je suis dans une cave de maître sommelière. Oui. Franchement, je m'attends à avoir plus de bouteilles que ça. Ça, c'est la partie du haut de l'iceberg. Viens voir, je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir des vieilles bouteilles. Ah, ben voilà. Ouais, mais ça, bon, c'est pas accès au public. C'est un petit coin caché. Voilà, regarde. Ah oui, ça, même bien gardé par la grille. Voilà. Ah oui, ça, d'accord. Ça, tu vois. Porte du paradis. Presque ça. Hein. T'as un bon paquet de bouteilles, là, à ta table. Bah écoute, tu sais quoi ? Je vais te faire goûter quelque chose. D'accord. Attends, le contraire m'aurait étonné. Hein, bah écoute, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Eh ben on y va, allez. Et là, on voit pas ce qu'il y a dedans. Très mais bien. Tu vas avoir une sacrée surprise dehors. D'accord. Allez, viens. C'est vraiment tout mignon ton jardin là. Ah écoute, on est au centre du village, tu vois. Tu vas voir, je vais ouvrir ça. T'as prévu des petits fromages ? Ouais, c'est pour tes muscles. C'est gentil de prendre soin de ma voilà. musculature. Je crois que t'as été l'une des premières sommelières en France, c'est ça ? J'ai été, oui, dans le trio de... Donc tu étais dans le trio ? Silence, Jérôme. Pardon, ok. Goûte. Après, tu dis. Tu vas voir. C'est vrai que tout le monde connaît le rouge, tu vois. Les galets, les paysages, Châteauneuf, c'est ça, mais il n'y a pas que des galets non plus. C'est très, très, très bon. Qu'est-ce que tu veux, là ? Un petit crémeux ? C'est que demain, je fais la transhumance des moutons et des brebis de Saint-Rémy-de-Provence. Ah, c'est génial, ça. Tu as encore un sucré programme demain. Oh, oui, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, mais je te jure. Je te crois. Donc là, finalement, aujourd'hui, Pierre, la reconstitution de transhumance que vous faites, on descend du plateau jusqu'à Saint-Rémy. Oui. Et puis on remonte ensuite. Oui, on remonte. On fait deux fois le tour. D'accord. Et après, on remontera sur le plateau. C'est devenu un rendez-vous chaque année à Saint-Rémy-de-Provence. On vient voir la transhumance. Ah ouais, le lundi de Pentecôte, oui. Mettez-vous de ce côté, plutôt. Vous arrêtez. Qui c'est cette petite ? C'est ma petite fille. Oh, c'est pas vrai, comment tu t'appelles ? Carla. Oh, t'es mignonne comme tout. Ouais. Et donc, c'est la première fois que tu viens marcher devant le troupeau ? Waouh ! Alors, comment tu trouves ça ?
bien. On pourra pas chanter la chanson il pleut bergère du coup, il fait très beau. Là, on commence à comprendre que cette transhumance a beaucoup de succès. Hein. Ils annoncent toutes les années autour de 20 000 hommes en plus. Ah ouais ? 20 000 personnes, oh oui. Ça, ça doit faire chaud au cœur quand on organise ah, tout ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous, on ne voit que des, du thé, de, ouais. de romarin. Et des vous cyprès, êtes seul bien souvent dans, ouais. dans les pâturages et, voilà, que, là, voilà, et que là, toute cette foule tout qui monde. Célèbre votre ouais. beau métier, finalement, c'est ça qui est beau. Ça attire autant de monde que le Tour de France. Hein, les gens s'écartent un peu comme c'est, sur... C'est moins long quand même. Voilà. sur le col ah du oui, Ventoux, c'est un peu pareil. Là, 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 là. Non chômage. Non chômage. C'est déjà plus calme. Oui, là. Donc, il y a un petit marché, alors. Des jolis tableaux, là. Chaque année, on fait un concours de tableaux pour faire l'affiche pour l'année d'après. OK, d'accord. Voilà. Alors, bon, on demande aux gens de faire un tableau sur le thème de la transhumance ou de l'élevage, quoi. Hein. D'accord. Après, il y en a qui... Il y, en a, il y en a un qui est hors oui. sujet ou alors c'est que j'ai pas tout compris. Mais, c'est, oui. à vue d'œil, tiens, lequel tu préfères ? René, dis-moi lequel t'aimes bien. Moi, c'est... Comme ça. J'aime bien le 4. J'aime bien surtout l'encadrement. J'aime bien celui-ci, j'aime bien celui-là aussi. Celui-là. Ouais, ouais, ouais. Je vous prends votre crayon, je vote. Attention. Ah, votez. Là, il y a une partie de ton troupeau à toi, il y a un autre troupeau aussi. Ah oui, il y a le troupeau de la famille Tramier, père et fils. Et on va les faire un peu pâturer ce soir, là, parce que nous, on a bien mangé, mais les brebis n'ont pas encore mangé. Bien sûr. Voilà. Comment tu le vois, toi, ton métier, dans quelques années ? Oh, ça continuera toujours. Oui. Il ne faut pas... Nous, on va en descendant, mais il y en a qui arrivent derrière aussi, il ne faut pas... Il faut espérer. Ça, oui, 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 il faut espérer, mais ça marchera quand même. Oui. Personne n'est indispensable dans la vie. On a toujours nos anciens dit, oh, quand il serait un peu, vous verrez ce qui sera pas payé. Quand on ne sera plus, vous verrez, ça ne sera pas payé. Et puis, vous voyez, la roue, elle tourne et ça marche quand même, hein. Voilà. Tu reviens des fois un peu de la région ? Oui. Eh bien, tu nous téléphones et ah, tu ben. Et on ne te fera pas travailler ce jour-là. Ah, on c'est bien ça. On passera un moment ensemble. Ah, ben ça, c'est sympa. On te parlera français. Ah, enfin. Oui, français. Allez, salut. Voilà. À bientôt, merci à toi. Allez, merci, Jérôme. Merci à tous. Au revoir. En Provence, il y a les cigales, les oliviers, les champs de blé et de lavande. Mais pas seulement. Si vous allez tout droit, vous allez tomber sur les plaines vallonnées. Pour moi, c'est comme un océan de fleurs. Ils viennent du Japon, de Chine ou de Thaïlande. Mais que viennent-ils chercher? Une photo peut-être? C'est parce que pour la lavande, parce que d'après nous, la lavande, c'est un symbole d'amour. Et aussi de comment dit, le romantisme. Oh, comment ça va? Oui, Wen Jun et Yishi viennent de la région de Canton vers Hong Kong. Étudiantes, elles sont en stage à l'office de tourisme de Valensole. Elles facilitent l'accueil des touristes principalement chinois. Avant, je pense que la Provence est un village, mais maintenant je sais que la Provence, c'est une grande région. La Provence, l'amour, le romantisme. Cela peut même créer des embouteillages. Depuis 2010, des dizaines de bus arrivent tous les jours pendant la floraison des lavandes. Aujourd'hui, dans le Vaucluse, par exemple,
un touriste sur cinq est chinois. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de Valensole. Laetitia est la productrice de ce champ de lavande. Ça a créé un essor pour tout le village. On a beaucoup d'Asiatiques donc dans les champs de lavande. Mais il y a un autre phénomène, c'est que maintenant on a des Européens qui viennent voir les Chinois dans les champs de lavande. Et ça, j'adore, moi. Une photo, un selfie, une liaison Skype avec maman. Mamie! Non, ça marche pas le réseau. Coup de foudre pour les lavandes. Ils veulent tous immortaliser ce moment. Il vient ici pour chercher l'amour. Mais que vient donc faire Cupidon dans les champs de lavande provençaux? S'il cherche l'amour, c'est qu'une série télé à l'eau de rose, très populaire en Chine, a été tournée ici. Son titre, Rêve derrière un rideau de cristal. Dans les lavandes, les héros de la série tombent éperdument amoureux. Alors les touristes s'habillent pour rejouer certaines scènes devenues cultes. Aucun détail n'est laissé au hasard. C'est romantique, on se sent libre, c'est saturé de l'odeur de l'amour. La Provence, pour moi, c'est de l'art. C'est ici que les héros courent l'un vers l'autre. Tian Tian est la guide de ce groupe. Elle est installée en Provence avec sa famille depuis 2013. On profite bien, la vie ici, on n'est pas très très pressé. On peut rester là et pendant 2 heures, on discute en mangeant. Et il faut vraiment profiter bien de la vie et tout. J'aime bien. Une dernière photo, le bus attend. Loin des gratte-ciel et des magasins ouverts 24 heures sur 24, le groupe de Tian Tian est venu de toute la Chine pour un autre rythme de vie. 1, 2, 3, 4. Ils travaillent tous pour la même entreprise. Tout le monde est là, c'est parti. De l'Asie à l'Europe, le fossé culturel est immense. Pour aider ses citoyens, la Chine a publié un guide des bonnes manières à l'étranger. Hôtes ou vacanciers doivent s'ajuster. Tian Tian donne des cours de chinois et de civilisation aux commerçants de la région afin d'éviter les malentendus. Les restaurants souvent disent que les clientèles chinois ils ont l'air riches, mais souvent ils sont 6, ils commandent seulement 3 plats et ils partagent. Je dis qu'en Chine, vraiment, on partage en fait, on partage les plats. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas commander plus, c'est juste l'habitude. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps aux touristes chinois parce que c'est encore un pays pour voyager aux étrangers, pas commencer longtemps. Avec la croissance de leur pays, de plus en plus de Chinois peuvent s'offrir un voyage, une aubaine pour la région. La Provence est devenue leur troisième destination française après Paris et la Bourgogne. Il y a 2 ans, ce couple s'est marié dans ce château provençal. Ils arrivent de Shanghai et travaillent dans la finance. Wow. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air très spécial. Ça, c'est un bidet. You have foie gras, and after lamb, c'est souris d'agneau, lamb, with honey and herbe de Provence. Cheers. Bon anniversaire. Anniversaire. We come here to On est venu ici pour faire le mariage de mes rêves. En Chine, pour notre mariage, on est un acteur. Il y a un script et un réalisateur qui dicte ce que tu dois faire et quand. Tu dois exécuter tout ce qu'il te dit. Ici, on est libre de faire ce que l'on veut et ça coûte le même prix. Alors pourquoi se priver du mariage de ses rêves? Un rêve en plein ciel. À l'aube ce matin, le groupe de Tian Tian s'envole. 1, 2, 3. C'est génial.
Mont Ventoux. Mont Ventoux. Mont Ventoux. Fort Cartier, côté Luberon Mountain. En Provence, Tian Tian, leur guide, a le sentiment de retrouver la mémoire. Quand j'étais petite, mon pays natal, c'était comme ça aussi. On a des campagnes, on a des rivières, des ciels bleus. Et maintenant, ça a changé beaucoup. C'est aussi avec l'industrie et l'économie, ça a beaucoup développé. Mais en même temps, l'environnement est détruit, en fait. Beaucoup de touristes qui sont vieux, ils ont dit, il y a 20 ans, c'était comme ça, chez nous, en fait. Et maintenant, ce sont tous les bâtiments, gros bâtiments partout. Et il n'y en a plus, la maison, de notre petite maison, quand on était petite. La mémoire est perdue, en fait. Alors, pour Tian Tian, le tourisme chinois est bien plus qu'une mode ou qu'une simple histoire d'amour dans les lavandes. No, I'm coming home tonight. Girl, you know I'm coming home tonight. Girl, you know I'm coming home. Girl, you know I'm coming home tonight. Toc, toc, toc. Y'a quelqu'un? Ah, salut, Jérôme. Ça va, Thierry? Ça va, et toi? Super bien. Ça se mérite. Nîmes se mérite. Il y en a un paquet de marches, mais en fait, tiens. Au final, c'est quand même sympa. Hein. Ah, la vue est superbe. En fait, on est au nord de Nîmes, là, tu vois. On est sur au sommet de la Tourmagne, qui est une tour qui mesure maintenant à peu près un peu plus de 30 mètres, à peu près 32 mètres, quoi. Alors, c'était quoi cette tour, justement, cette tour? Alors, c'est une tour gallo-romaine au départ, donc qui a été construite bien avant l'ère romaine. Mm-hmm. C'était une tour d'observation, en fait. Hein. Ça permettait d'avoir un visuel sur l'ensemble de la cité nîmoise. Et alors, est-ce que cette tour faisait partie des remparts qui bordaient la ville? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Les remparts ceinturaient la ville et c'est le monument le plus imposant, en fait, des remparts. Donc ça veut dire que le périmètre qui bordait Nîmes était immense. Ah, oui, hein. c'était assez grand, hein, tout à fait, ouais. Bon, Jérôme, écoute, si ça le dit, maintenant, on peut commencer un peu la balade. Hein. Allez. Allez, je prends mon sac. Et on y va. Facile, on descend. Toi, Thierry, tu es nîmois, tu as grandi ici. En fait, moi, je suis né à Montpellier et puis très jeune, j'avais 3-4 ans, je suis arrivé à Nîmes et j'ai plus quitté Nîmes. Je suis là depuis une cinquantaine d'années, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui, justement, t'anime à Nîmes? Qu'est-ce qui te plaît ici? Moi, ce qui me plaît avant tout à Nîmes, c'est la taille humaine de cette ville. Oui. Et surtout par le fait que les gens se connaissent tous, on a tous nos petites habitudes. Il y a un côté village qui te plaît. Voilà, c'est le grand village. Voilà, mmh. ça me plaît. Et franchement, il fait bon vivre, quoi, voilà. Mmh. Là, tu vois, Jérôme, je vais t'amener dans un endroit très sympa. Ça s'appelle le passage du Vieux Nîmes. Et alors, je sais pas si c'est ouvert. Oui, c'est ouvert, voilà. Tu vois, ce passage du Vieux Nîmes se termine ici, en fait. Et on a une impression de sagesse, quoi. C'est calme. Magnifique. La cour est magnifique, il n'y a pas un bruit. Moi, j'adore cet endroit. Il y a un côté un petit peu reclus, ici. Ouais, tout à fait. Protégé. Et puis, on n'entend plus le bruit de la ville, ouais. On n'entend plus le mouvement. C'est pas l'ambiance des arènes au grand soir. Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Thank you.
J'ai toujours autant de plaisir à regarder les arêtes de Nîmes. Ouais, tu as vu, c'est beau, hein. Ouais. C'est ton bureau. Ouais, c'est plus que mon bureau, tu sais. J'y vis dedans, je passe plus de temps dans les arènes que chez moi. Mais bon, c'est ma passion aussi. Toi, la première fois que tu as découvert ces arènes, tu avais quel âge ? Alors, la première fois que je les ai vues, je devais avoir 7-8 ans. Donc, avec mes parents, on descendait en ville. Et dès mon adolescence, ben, comme tout petit Nîmois qui se respecte, ben, le jeu Nîmois, c'était en fait de sauter les grilles. Ah oui ? Ouais, ouais. Et alors, pourquoi faire ? Ben, pour aller voir les spectacles sans dépayer. Là, on rentre dans les parties techniques privatives, on va dire. Exactement. Strictement interdit au public et peu importe le spectacle. Voilà. Et là, on va accéder à la piste. Et là, on est donc en phase de montage de la feria. Ah, c'est fabuleux vu d'ici, c'est génial. J'adore. Alors moi, je me souviens être venu ici il n'y a pas si longtemps avec mon fils. On avait visité ici l'arène, mais j'avais un peu la frustration de ne pas pouvoir fouler le sable, l'arène. Dans la nouvelle convention qu'on a passée avec Culture Espace, donc notre délégataire pour la visite, on a inclus maintenant la piste parce qu'en fait, on avait une demande du public de pouvoir fouler la piste quand elle était vide. Ouais, et puis de s'imaginer ce que c'est ou d'être artiste ou d'avoir été gladiateur. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la sensation d'être en... Voilà, dans un se retrouver au milieu de l'amphithéâtre, c'est très intéressant, c'est vrai. Hein. C'est génial. Et donc, c'est toi qui es en charge finalement ici de toutes les installations techniques pour recevoir tout type de spectacle. Voilà. Mon rôle dans tout ça, c'est d'articuler l'ensemble de ces spectacles pour faire en sorte que tout se passe bien au niveau des montages, D'accord, des gradins, de la scène. Toute la partie, planning, etc. Ça, ouais, ouais, tout à fait. J'imagine que tu dois te sentir investi d'une mission parce que tu es un petit peu l'ange gardien de ce lieu. Ouais, ça te donne une responsabilité encore plus forte. Je crois que le terme ange gardien, ici, il est tout à fait approprié. Je crois qu'il faut respecter ce monument. Dans ce lieu chargé d'histoire, il faut préserver tout. Il faut qu'on garde cette étiquette un petit peu amphithéâtre. Ouais. C'est du patrimoine. Quoi. Ouais. Enfin, voilà. L'abîmer, c'est te griffer un peu. Ouais, hein, c'est ça. Un peu ça. Ouais, c'est complètement ça. Oui, c'est complètement ça. Bon, j'ai bien envie que tu me montres un petit peu les arcanes, les coulisses les de ce lieu quand même. Voilà. Ça se resserre. Ouais, ça se resserre. Génial. Donc, tu imagines les forces de police courir et nous ? Toi, tu veux te venir planquer là. En fait, faut venir le chercher ton truc. Voilà, tu vois. Tous les copains, on était chacun sur une marche. Les resquilleurs. Planqués là-dessus. Et personne ne nous voyait. Et après, on pouvait s'installer dans les gradins, quoi. Wow. Tu as vu la vue qu'il y a là ? Ah, on est au point le plus haut, là, quasiment. C'est là où on a la meilleure vue, en fait. En tout cas, ça laisse admiratif de voir un édifice comme ça, ouais. Fait il y a 2000 ans. Ah oui, tout voilà, à fait. Avec les moyens qu'il y avait à l'époque. C'était sacrément culotté. Il n'y avait pas d'erreur, quoi. C'était tout bien fait, quoi. C'est remarquable, c'est admiratif, quoi. C'est dingue. Moi, je suis toujours en extase. Et tu sais, des fois, je viens le soir, même à la tombée de la nuit, je viens où j'y suis. Ouais. Et je monte dans les gradins, je m'assois et j'écoute. Il y a un silence religieux, peut-être des martinets qui passent et tout. C'est vraiment sympa, quoi. Hein. C'est vivant, c'est un être vivant. C'est un être vivant, les arènes, ouais, tout à fait. Vraiment. Ouais, c'est un être vivant, ouais. Pour la Pentecôte, les arènes accueillent la plus grande des fêtes de Provence, la Feria de Nîmes. Pendant 6 jours, les plus grands toreros d'Europe vont se donner en spectacle. Des corridas que Mathilde et sa petite famille ne rateraient pour rien au monde. Nîmes revendique ses traditions camarguaises et espagnoles. Et les enfants du pays vivent pleinement ces fêtes dédiées à la tauromachie, pourtant parfois si décriées. Voilà, j'ai senti que c'était ma culture, que c'était, ça faisait partie de ma ville, de moi. Et donc j'y connaissais rien. Petit à petit, j'ai appris avec les gens qui étaient assis à côté de moi. J'écoutais les commentaires. Que des gens qui viennent du
du nord de la France arrive ici, voit un taureau se faire tuer devant 1000 personnes, ça soit hyper choquant. Je le comprends. Moi, ça fait partie de ma culture, donc ça ne me choque pas. La feria commence traditionnellement par une pégoulade, un défilé de chars et de danseurs. Allez, maintenant, c'est vraiment le début de la feria. Cette année, c'est le thème des mythes fondateurs qui a été choisi et interprété de manière très libre. Le défilé marque le début des festivités. Pendant 6 jours et 5 nuits, la ville va se transformer et se dédier totalement à la fête. C'est pour fêter le début de la feria de Nîmes 2016. J'ai vu le taureau avec les yeux rouges. Je me rappelle plus. Nîmes se met à l'heure espagnole. La soirée continue dans les célèbres bodegas, des bars en plein air où l'Espagne rayonne dans les plats. On vit autour de l'Espagne, autour des taureaux de combat. On essaye de faire un maximum espagnol. Et c'est ce qui nous plaît. Eh bien, la culture nîmoise, elle est romaine, italienne, française, espagnole. Il y a un peu tout le monde, quoi. Et ici, on danse la sevillane, qui se danse à deux ou en groupe. On apprend la sevillane quand on est petit, et après on le danse. À chaque feria, on danse la sevillane. Il y a des pas très précis, mais après on peut le danser comme on a envie. Je prends la pomme, je bouge la pomme, voilà. Ça fait partie de la feria. Nous venons de Séville. Séville capitale. Invités par des amis de Nîmes. Parce qu'ils viennent à notre feria à Séville. Et nous, on vient voir comment ça se passe ici. Plus d'un million de personnes viennent participer chaque année à cette grande fête, sans modération et jusqu'au bout de la nuit. L'esprit de la fête est très présent dans mon échappée ensoleillée. Après avoir souffert, je l'avoue, dans les lacets du Mont Ventoux, j'ai accompagné la transhumance des moutons jusqu'à Saint-Rémy-de-Provence. Ça tient autant de monde que le Tour de France. Et à quelques heures de la feria, j'ai visité les coulisses des majestueuses arènes de Nîmes. C'est beau, hein? Ouais. C'est ton bureau. Ah, c'est plus que mon bureau, tu sais. J'ai aussi découvert que la Provence séduit de plus en plus de touristes chinois. La Provence, pour moi, c'est de l'art. Je mets maintenant le cap sur la Méditerranée, terrain de jeu préféré des kitesurfers et des navigateurs. On passe un peu notre temps tout nu sur les parkings. C'est le meilleur moment. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, chaque année, les gitans aiment se retrouver pour célébrer Sainte-Sarah. Merci de m'avoir permis d'être un spectateur privilégié de ce moment-là. J'ai vraiment hâte de vivre ce pèlerinage haut en couleurs et chargé d'émotions. Mais ça, ce sera après un petit détour par une enclave grecque en Provence.
Salut Jérôme, c'est bien que tu aies réussi à nous trouver avec ton vélo. Ouais, mais en même temps, c'est tellement original de trouver une église comme ça orthodoxe, très, on va dire, cycladienne. Alors, cette église est très réputée dans la région. On se croirait dans un petit coin de Grèce. Elle a été fondée par les premiers émigrés qui sont arrivés dans les années 30. Et aujourd'hui, comme c'est une très grande fête, les autorités diplomatiques grecques nous font l'honneur de leur visite. Et on a le monsieur le consul général de Grèce qui vient. Si tu veux, je te le présente. Ah ouais, je veux bien, je vais dire deux mots, bien sûr. Quel est Proxéné ? Je voulais vous présenter, Sur la voiture, Calimera. Calimera. C'est votre première fois ici à Salin ? Oui. Même si je connais plutôt pas mal la Grèce. Mais c'est assez étonnant d'avoir une communauté aussi importante dans un si petit village. Si vous aviez à qualifier cette communauté, cette petite communauté ici à Salin, vous diriez quoi ? Vous les racontez ? Une communauté de cœur, je dirais. Toujours accueillante, toujours souriante. C'est une petite île grecque en France. Pendant la Première Guerre mondiale, la France avait besoin de main-d'œuvre. Elle a donc recruté à l'étranger. Des familles entières sont venues de Grèce pour travailler dans les salins de Giraud. Comme pour André, qui travaille aujourd'hui encore le sel, comme son père et son grand-père, tous deux aussi partis de Kalymnos dans les années 20 et 30. Ce salin a sorti nos parents de la misère, parce que quand ils étaient en Grèce, il n'y avait rien. Voilà. Mon père était plongeur d'éponge, c'était très difficile. Il est arrivé à Marseille et pour rentrer sur le sol français, il fallait être vacciné. Il avait même pas un sou pour se faire vacciner. Et c'est un docker d'origine grecque aussi qui lui a payé son vaccin. Puis il est venu au salin. Le fait d'être à côté de la Méditerranée, c'est indispensable pour nous. Voilà. À Kalymnos, il n'y a que de l'eau qui nous entoure. Ici, c'est pareil, c'est un peu la même chose, on est au milieu de l'eau. Beaucoup de membres de la communauté grecque sont arrivés au salin de Giraud dans les années 20. À l'époque, il n'y avait guère de travail sur leur île. Nombre d'entre eux venaient juste de fuir l'Empire ottoman et la politique ultranationaliste des jeunes Turcs. Georges, son frère et sa fille sont les enfants d'immigrés venus de Grèce. Il y en a un certain nombre qui prenaient la route de l'Amérique. Ils faisaient une escale à Marseille pour prendre un transatlantique. Et il y en a quelques-uns qui ont trouvé le coin accueillant. C'est ma mère qui est venue directement de Grèce. Je pense que j'ai plus pris de la culture provençale que du grec, contrairement à mes frères. Mais bon, comme on l'a dit, c'est pas incompatible. Avec les Grecs, Arméniens, Russes, Polonais, Espagnols sont arrivés pour travailler. Les salins de Giraud. Sous les platanes, une cité ouvrière, une ville nouvelle, est sortie des sables camarguais pour l'industrie du sel et ses dérivés à la fin du 19e siècle. Ça, c'est l'inauguration de l'église en 1953. Et avant les mariages, ils se faisaient dans les garages. Là, il y a le père de Jojo. Regarde. C'est ton père, ça. Là, il était mince, mon père. Et nos Grecs à nous, ils ont vécu leur odyssée, leur bataille pour se faire une place, mais ils ne sont pas retournés. Ils sont morts dans cette terre d'asile. C'est nous, les enfants, qui avons eu la chance de repartir. Oui, moi, on y retourne maintenant. J'en entends tellement parler. Oui, ça fait partie de moi. J'ai besoin d'y aller pour le voir de moi-même, quoi. Je ne suis pas la seule à essayer de retourner comme on peut, autant qu'on peut retrouver les racines de l'autre côté de la Méditerranée. La salaine de Giraud, on voit des corons du nord de la France, on voit une église grecque. On se demande ce village, comment il fait pour être arrivé ici dans cet état. Oui, t'as raison. C'est des paysans, on va dire. Oui. Voilà, c'est ça. C'est un petit village. Donc là, on va voir ta maman, alors. Maintenant, on va aller préparer un peu des spécialités grecques avant d'aller à la fête. Bonjour. Kalimera. Kalimera, yassas. Bienvenue à Jérôme, je vous embrasse. Bienvenue.
Bon, je vous laisse. Ah, tu y repars. Je vais à la salle, on est attendu, il faut préparer les festivités. Bon, bah tout à l'heure. Allez, au revoir. Ça marche. Allez, au fourneau. Au fourneau. Voilà, vous le faites plier. Hélène, je voulais savoir, est-ce que le poisson, tu penses qu'il est cuit ou faut le mettre un peu plus fort? Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans cette région de la Camargue? La mer et le soleil. Quand je suis venu, quand j'ai vu la mer, le soleil et les fruits, je dis, ça y est, ça ressemble à la Grèce, à l'Ouest. Le petit dernier. Hein. Et on va au gaz. En arrière, Otis. Non, on préfère passer en arrière. Donc ça, c'est la salle communale. Où a lieu la fête aujourd'hui, alors? Vas-y, rentre. Calimera. Calimera. Bonjour, madame. Calispera. Calimera. Calimera. Yassas. Ça, c'est la Grèce. Ça, c'est l'Arche. Ça, c'est l'orthodoxie. L'orthodoxie. T'es en pleine forme, toujours, toi, j'ai l'impression, hein. Calimera. On dit bonjour à Jérôme, Yassas, qui vient manger avec nous. Allez. À la communauté grecque des Salins. J'oublie toujours comment on dit en grec santé. Ici, Yassas. Je sais le faire, mais je sais plus le dire. Santé, merci de votre accueil. Ouzo. La feta est magnifique, là. La feta. Très, très belle. Là, il y a la moussaka qui a été faite par Dorothée. On est en famille, là. Tout le monde se connaît. Tout le monde a plus ou moins grandi ensemble ici. Alors, je te présente ma fille Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Je savais que c'était ta fille. Ben oui, elle a appris à parler grec à l'école grecque du village. Tu vas à l'école grecque ici? Oui. D'accord. Et elle a appris à danser grec. Depuis toute petite, elle danse avec nous dans chaque fête. Et c'est une excellente danseuse. Ah, donc tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure? Sûrement. Ouais, comme sûrement. Tout le monde va danser? Tout le monde danse à ses fêtes à chaque fois. Tu vas pas pouvoir y couper. Ah oui, d'accord. Oui, je vois, oui. Il va falloir te mettre au milieu, et au milieu de la ronde, et danser avec tout le monde. Non, ouais, je ferai de mon mieux pour honorer le pas de danse grecque. Mais je suis sûr que tu vas l'honorer. Au sud de la Provence, comme une frontière naturelle, la mer Méditerranée. Sous la chaleur de l'été, elle se trouble à l'horizon. Ce n'est que pour mieux dérouler son camaïeu de bleu. La Méditerranée appelle au large. Au Gros du Roi, le Mistral et tous les autres vents soufflent toute l'année. Les pros du kitesurf hissent leurs ailes. En France, ce sport s'est développé ici dans les années 90. Le vent, toujours, je surveille. Parce que là, il change beaucoup. Il doit tomber, donc je sais pas. C'est pour choisir l'aile, en fait. Il y a plusieurs tailles. C'est toujours le choix important. Je suis d'origine parisienne, mais j'avais quand même ma mère qui était bretonne et mon père italien. Donc toutes mes vacances, j'ai passé quand même au bord de la mer. Maintenant, quand je retourne à Paris, ça me stresse, en fait, de pas avoir la mer, l'horizon lointain. C'est vraiment ça, d'avoir une vue comme ça. Qui finit jamais, je me sens un peu claustro à Paris avec les immeubles. Charlotte habite et s'entraîne ici. Triple championne du monde de vitesse en kitesurf, elle est la femme la plus rapide du monde à la voile. Elle peut naviguer à plus de 90 km par heure.
les éléments seront toujours plus forts, quoi. Donc, c'est pas du tout lutter contre eux, c'est plutôt aller dans leur sens et espérer qu'ils m'acceptent sans me faire trop de mal. Toujours peur un peu, ouais. Il y a toujours cette peur qui est là et c'est ça qui... Et après, une fois que j'ai vaincu la perche, la peur, je suis trop fière, quoi. Une fois que je l'ai fait, que j'ai navigué pendant une heure dans la baston, une fois que c'est fini, je suis super contente. La peur pousserait-elle les marins de tous bords à prendre la mer et à se dépasser? Enchanteresse ou furie, la Méditerranée fait dire d'elle qui navigue sur son dos, navigue sur tous les océans. Alors, c'est là que ça se complique. Quito va bientôt prendre le départ du Vendée Globe. Faire le tour du monde, poussé par les vents, en solitaire. Ah, ça réchauffe. C'est quelquefois un peu ingrat, hein. La Méditerranée est difficile. À quelques dizaines de milles de la côte, la mer peut être très très dure. Il faut savoir qu'en Sardaigne, quand un coup de Mistral, il peut y avoir jusqu'à 15 mètres de creux. Donc c'est pas rien. C'est au moins autant qu'en Atlantique. Et c'est une mer particulière. C'est celle que j'apprécie le plus et celle que je déteste le plus en même temps. Mais ça développe un certain sens de la régate. Ma carrière a commencé en Bretagne. J'étais plagiste et méditerranéen. Donc, deux bonnes raisons pour ne pas être pris au sérieux. Et quand en 2002, j'ai gagné un solitaire du Figaro, les Bretons ont commencé à me prendre beaucoup plus au sérieux. Voilà, j'étais toujours méditerranéen, j'étais toujours plagiste. Voilà, ce qui n'est pas incompatible avec la course au large. Il en a parcouru des milles, avec l'envie d'ailleurs dans ses voiles. Il a franchi le Cap Horn et ne compte plus les transatlantiques. Mais comme Charlotte, partir autour du globe l'a toujours ramené à son port d'attache, la Méditerranée. En compétition, Charlotte et les autres pros du kite sont aussi des Méditerranéens quand ils voyagent aux Caraïbes, en Namibie ou au Brésil. Le poncho qui a tous les kitesurfers, ils ont. En fait, on passe un peu notre temps toute nue sur les parkings. C'est le meilleur moment. Entraînée par la Méditerranée, Charlotte vole en mer par tous les temps et tous les vents. Mais elle ne dira jamais qu'elle a le pied marin. Elle préfère se dire plagiste. Je dois être la seule qui fasse du kite et qui ait peur de la mer. C'est vrai qu'au départ, quand j'apprenais, j'allais jamais là où j'avais pas pied. Ça m'a un peu bloquée. Hein. J'ai mis beaucoup de temps à aller au large faire du kite. Mais j'aime ça, j'aime me faire peur, donc m'inventer des histoires. J'imagine des requins, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de requins ici. Hein. Quito n'a pas croisé les dents de la mer. Il rentre à quai, comme les chalutiers. Au Gros du Roi, il y en a plus de 30. Dans les années 70, le port de pêche est devenu un port de plaisance, le deuxième au monde. Autour des marinas, il y a plus de 5000 mâts. Ouais, c'est futur marin, ça. J'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, il y en aura quelques-uns qui auront la chance de vivre la vie que je mène, quoi, tout simplement. Quito est l'un des rares navigateurs à rester amarré en Méditerranée, car il est resté fier de sa région. Tous ses bateaux, il les a préparés ici. Comme à l'âge de 18 ans, quand il a finalement décidé de prendre le large. Moi, il y a une évidence, c'est que j'avais envie de naviguer, de voyager d'abord. De voyager, d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Et donc, je suis allé en fac, je me souviens, en fac de sciences. Voilà, j'y suis resté une semaine. Je me suis dit, ouh, là, ça va être compliqué, parce que moi, je voulais être cousteau. Moi, je voulais faire... je voulais être océanographe, quoi. Donc, j'avais racheté avec mes parents, à l'époque, et mon frère, un vieux bateau en bois, qui faisait quand même 13,50 m, qui s'appelait Racam le Rouge. C'est comme ça que j'ai commencé à traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, Quito barre un monocoque poussé par 300 mètres carrés de voile. Sur le pont, Charlotte a rejoint Quito. Parce qu'ils partagent le même port d'attache, elle a été la marraine de son bateau. Tiens. Ouais, je suis pas rassurée. Non, ça va, Charlotte, t'es nickel, là. On penche de plus en plus. C'est vrai. On va de plus en plus vite aussi. Hein. En plus, on a pas pied, quoi. Donc, je veux dire, si jamais il y a un problème, va falloir qu'on nage. J'ai horreur de l'eau. Ouais.
Tant que je suis au-dessus de l'eau, ça va. Dans l'eau, je suis pas bien. Moi, c'est le niveau zéro, quand même. J'ai besoin de savoir que quand je veux, je peux mettre un pied à terre. J'aime bien la mer et la terre, les deux éléments. Faut pas m'en enlever un. Méditerranée, littéralement, la mer au milieu des terres. Vous voulez de l'aide? C'est bon? Bonjour! Albanir, bonjour! Ça va? Allô? Salut Franck! Allô? Comment ça va? Ouais, super bien! Très content d'être arrivé au Sainte-Marie pour ce bon moment qu'est le pèlerinage. T'as fait mon chemin? Ouais, super! Alors comment ça se passe? Raconte-moi un petit peu. Eh bien là, il y a toute la famille, on est juste là avec les guitares. Et on va jouer un petit morceau. Ah! Pour notre ami qui vient d'arriver. Alors moi, ça va si tu me mets de la musique. Viens, mets-toi sur la main. Je vais m'asseoir. Allez, musicien derrière, s'il te plaît. Allez, musicos. Allez, en musique. Baila, 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 baila. Este ritmo que yo canto, este ritmo que canto yo. Voy a por mi china, baila flamenquita, para que tú bailes cuando te canto yo. Esta noche ven conmigo, te diré cosa bonita. Mi pasión te cantaré, va. Mi rumbita, la rumba de taro, la canto por lo vistano. Mi pasión te cantaré, mi rumbita, la rumba de taro, la canto por lo vistano. Baila, 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 baila bien. Este ritmo que yo canto, este ritmo que canto yo. Quel accueil! C'est rien de le dire! Bienvenue chez nous! C'est merci! C'est que le début! C'est rien de le dire! C'est que le début! S'il vous plaît, les gars! Ah, bah, les noms! Qu'est-ce que t'as pensé de toute cette famille? J'ai préféré la musique aux échappements! Mais bon! C'est la famille! C'est le voyage, ça représente le voyage! C'est très chouette! Voilà. C'est vraiment ça le voyage. Et c'est à ce moment-là de l'année que vous retrouvez tous. Exactement. Aujourd'hui, Sainte-Marie de la Mer, c'est la capitale du gitan. Mmh. On est là, ils viennent de tous les horizons. Il y a des gitans qui viennent d'Amérique, qui viennent de l'Inde, qui viennent de partout ici. Alors ce pèlerinage aujourd'hui, donc vous allez porter Sainte-Sara. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de Sainte-Sara? Parce que moi, je ne la connais pas. L'histoire de Sara, il y a une légende qui dit que Sara serait la servante de Sainte-Jacobé et Sainte-Salomé. Il serait parti sur une barque et se serait perdu en mer. Et Sarah, c'est une gitane, elle savait lire dans les étoiles. Et à travers son savoir, elle les a guidés jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. D'accord, donc elle a guidé les saintes au Sainte-Marie de la Mer. C'est pour Sainte-Marie. Ça que ça s'appelle les Saintes Marie. Sainte-Marie de la Mer. Une semaine avant le jour de la procession, gitans, manouches, tziganes arrivent par milliers au Sainte-Marie de la Mer. La capitale de la Camargue se transforme en un énorme village pour les gens du voyage. Dans l'ensemble, on n'est pas trop mal accueillis. On a plus ou moins, bon, on se débrouille, hein, on a des terrains. Bon, bien sûr, on n'a pas le courant là, c'est très embêtant. Enfin, on a quelque chose pour s'arrêter toujours. On a des groupes électrogènes avec, bien sûr, la roulotte. Là, c'est bon, bah, une petite cuisine. On est toujours dehors, alors on mange dehors. Là, voilà. Et puis on rentre le soir pour aller se coucher, quoi. On est toujours dehors. Une maison, c'est pas mal, mais on est bien dans nos roulottes. On est très bien. Tiens, pour le... Retrouvailles en famille, entre amis, veillées religieuses, musique en tout genre, le nouveau village gitan prend des airs de fête.
Une vie d'éphémère d'une semaine, avec toutes les commodités qui vont avec. Et en premier lieu, l'école. Les enseignants accueillent des enfants venus de toute la France. L'idée est d'apporter un certain confort pour apprendre à ses fils et filles de grands voyageurs. Alors regarde, je t'explique. Là, il y a de la couture. Là, ils fabriquent des jeux de société pour jouer, tu sais, à plusieurs. Là, ils font des expériences. Et là-bas, ils font de la cuisine. Alors, tu vas aller où ? Non, on va pas perdre, on a que des gagnants. Tu vas au jeu de société avec Ginette ? Viens, je t'amène. Il y en a qui arrivent tous les jours, donc voilà, on fait un peu en fonction de, des arrivées, des départs, parce qu'il y en a l'après-midi qui préfèrent aller à la mer. Ouais. Plutôt que de venir travailler au camion. Ouais, mais hier, j'étais là. Ouais, mais comme ils aiment bien quand même faire leurs ateliers et finir ce qu'ils ont commencé, ils viennent quand même. Voilà, donc c'est un peu la surprise. Mais il y a des enfants qu'on retrouve chaque année. Bonjour, mademoiselle. À travers ces ateliers, les notions de base comme le calcul, la lecture, sont abordées de façon ludique. Le cours de cuisine se transforme en cours de mathématiques. Ensuite, deux... 4, 5, 6. Voilà. Pour ce rassemblement annuel, les gitans n'oublient jamais le principal. Ils amènent la maison de Dieu avec eux. Allô, allô, on cherche un évêque actuellement perdu sur le terrain. Si quelqu'un le voit, il le ramène. C'est pas l'église faite de pierre et de ciment, non, 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 non. C'est, vous voyez, c'est une caravane. C'est une caravane avec des toiles. Des simples toiles. Des simples toiles, mais l'essentiel dans tout ça, c'est ce qui va se vivre sur cette table. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer remonte à plusieurs siècles. Très démonstratif, il est le seul moment où les gens du voyage peuvent exprimer leur dévotion. On y va ? Donc là, on part jusqu'à l'église. Et puis après, je te dirai un endroit magique où je vais t'amener. Ah, j'ai un privilège donc aujourd'hui. C'est un très grand privilège. Ah, il n'y a personne qui a accès sauf la famille et la confrérie de Sainte-Marie de la Mer. D'accord. C'est très très rare. Merci du cadeau. C'est la fête partout dans le village. C'est la fête parce qu'aujourd'hui, Sarah vient à la rencontre de sa famille du voyage. Tu vois, là, c'est les quatre porteurs officiels de Sainte-Marie de la Mer. Donc, il n'y a que qui peuvent porter, qui sortent Sainte-Sarah, ouais, qui l'amènent à la mer, qui la rentrent dans l'eau et qui rentrent dans l'église. Après, nous, on les aide quand même à porter parce que c'est vachement lourd tout le trajet. Ouais. Donc, tous, on fait le relais, on fait une chaîne. D'accord. Pour les aider quand même. Arriver jusqu'à la mer. Arriver jusqu'à la mer et à la ramener aussi. C'est un privilège. C'est un grand privilège de pouvoir porter Sainte-Sarah. Ça va T'as vu l'entrée est interdite à tout le monde, sauf à toi, aujourd'hui et à nous. D'accord. On monte à la chapelle du haut et ça donne accès aux D'accord. reliques de Sainte-Marie de la Mer. Salut, salut, oh la Sainte Marie.
laisser sortir la sainte et toute la procession pourra prendre aussi le chemin. Oui. Faites attention. Tu vois tous les gens qu'il y a. Et là, c'est ça jusqu'à la mer. Hein. Et à la mer, il y a encore plus de monde. Là, la mer, c'est rempli. Sur les rochers de partout. C'est fabuleux. Ouais, c'est énorme. Et la première fois que tu as porté Sansara, tu te souviens quand c'était? Ouais, il y a 8 ans. Comme ça, 8 ans. Et alors? C'est... Quel souvenir tu en gardes? C'est énorme. On a les larmes aux yeux, c'est... D'être privilégié de porter, ouais, c'est énorme. Ça te prend à l'intérieur, tu l'oublies jamais. Hein. Mmh. Tu peux pas oublier. Oh là là, le monde! Il y a une foule là, c'est incroyable. Regarde ça, il y a des milliers de personnes. Le pèlerinage est quasiment terminé puisque Sarah va retourner à l'église. On la ramène à la crypte. Ouais. Mais ça, c'était le moment fort. La c'est plage. Le moment où voilà, on est béni. On est béni par la mer. Ouais. Sainte Sarah. Et toi aussi, a priori. Ouais. Je l'ai été également. Pareil. Pareil. Oui. Pareil que nous. Ouais, parce que la foule emporte. C'est vraiment l'enthousiasme collectif là. On est tous par portés par la ferveur, par l'envie de partager ce moment tous ensemble ici. En tout cas, merci de m'avoir permis d'être un spectateur privilégié de ce moment-là. Parce que je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis ben, merci à vous de m'avoir accompagné merci. Dans ce... On s'embrasse. Hein. Ouais, alors on s'embrasse. Bon, ça me va. Ça me va. C'est trois. Ah non, merci à toi. Par contre, sans vous commander, les gars, oui. J'aimerais bien quand même qu'on s'en fasse une petite chanson. Allez, on va quand même se faire une petite chanson. Parce que là, on va partir de fête. Hein. Tu sais, c'était le thème de l'émission, donc la fête était complète, je pense, pendant ce programme. Vous avez pu traverser à la fois la Provence physiquement à mes côtés, mais également à travers les traditions et tous les moments forts qu'elle propose. On va les finir en musique tous ensemble. On va danser, on va chanter. Hein, allez, tout le monde danse, tout le monde chante. Ça vous va? Allez. Baila, 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 no. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo. Baila, 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 baila bien. Ese ritmo que yo canto, ese ritmo que canto yo.